Bonjour, bienvenue pour tout le monde. Durant cette séance, on va voir quelques rappels concernant presque ce qu'on a vu dans la classe de troisième année éco comme première séance du chapitre Les graphes. Pour cela, on va faire cet exercice. Elle a dit, on considère le graphe G suivant. En liaison avec la vie courante, un exemple de graphe, c'est l'ensemble des postes ordinateurs d'une société qui sont reliés avec des câbles. L'ensemble des ordinateurs sont caractérisés par les points A, B, C, D, E et F sont appelés les sommets et les câbles, c'est-à-dire les lignes reliant les sommets, sont appelés, qui sont des câbles, sont appelés des arêtes. Donc ici, notre graphe devant nous, elle est composée de sommets et d'arêtes. Alors, partie grand A, il a dit comme première question, donner l'ordre du graphe G. Il ne faut pas oublier que l'ordre du graphe, c'est le nombre de ses sommets. Ici, on compte 6 sommets, donc l'ordre de notre graphe est 6. La deuxième question, il a dit donner 2 chaînes fermées de longueur respectivement 4 et 5. Avant tout, le mot chaîne. La chaîne, c'est une succession. Sommet, arête, sommet, ainsi de suite. C'est la succession. Sommet, arête, comme j'ai dit à l'instant. Ça, c'est la chaîne. La chaîne est fermée si on commence et on termine avec le même sommet, pardon. Par exemple, on va commencer notre chaîne par le sommet A et on va revenir vers la fin au sommet A. Dans notre cas ici, on va dire que notre chaîne est fermée. Il nous reste maintenant la longueur ici d'une chaîne, c'est le nombre d'arêtes. Par exemple, ici, allons de A et on va revenir sur et on va revenir vers A. A, B, F, A. Il s'agit bien ici d'une chaîne succession. Sommet, arête, sommet, arête, sommet, arête, sommet. Donc ici, cette chaîne est fermée de longueur 3, le nombre d'arêtes. 1, 2, 3. Alors maintenant, je vais donner une chaîne fermée de longueur 4, c'est-à-dire je vais exploiter 4 arêtes. Alors, l'exemple FB, CEF, eh bien, une chaîne fermée de longueur 4. On a commencé par le sommet F, par suite B, par suite C, par suite E et vers la fin F. FB, on a ici exploité l'arête FB. Ensuite, 7 arêtes, deuxième, ensuite, troisième, ensuite, quatrième. 4 arêtes ici, donc la longueur est égale à 4. On a commencé à partir du sommet C et on est revenu vers la fin au sommet C. Pardon, au sommet F. Donc, partons à partir du sommet F et on va revenir vers la fin au sommet F. On a parcouru 4 arêtes, donc la longueur de notre chaîne est égale à 4. Maintenant, je vais donner ici autre chaîne fermée de longueur 5. Je vais commencer à partir du sommet A et je vais revenir vers la fin au sommet A. Donc ici, je vais parcourir 5 arêtes. Donc, A, puis B, puis C, puis E, puis F,
puis A. Une arête, deux arêtes, trois, quatre et cinq. Cinq arêtes. On a commencé à partir A, du sommet A, et on est arrivé vers la fin au même sommet A. Donc la chaîne est fermée de longueur 5. Passons maintenant à l'autre question. Il a dit dire en justifiant le graphe G qui est devant nous est-elle complet ou non? Pour répondre à ce genre de questions, il faut connaître la signification du mot complet. Dire qu'une chaîne, pardon, qu'une, pardon, dire qu'un graphe G d'une manière générale est complet, c'est-à-dire les sommets sont deux à deux adjacents. C'est-à-dire quoi adjacent? C'est-à-dire les sommets sont deux à deux reliés avec une arête. Est-ce qu'on a ça avec l'exemple ici de notre graphe G? On constate que les deux sommets A et C ne sont pas reliés, c'est-à-dire ne sont pas reliés directement. Ils sont reliés d'une manière indirecte, c'est-à-dire par l'intermédiaire du poste B ou du sommet B. Mais ici, le mot complet, c'est-à-dire relié d'une manière directe. Donc ici, les deux sommets A et C ne sont pas adjacents, donc notre graphe G n'est pas complet. Donc, les sommets A et C ne sont pas adjacents, cela veut dire que G n'est pas complet. La quatrième question, elle a dit, donner un sous-graphe complet d'ordre 4. La signification de cette phrase, sous-graphe complet d'ordre 4, l'ordre 4, c'est-à-dire on va parler de quatre sommets complets, c'est-à-dire ces quatre sommets sont deux à deux adjacents. Cet ensemble ici de quatre sommets qui sont deux à deux adjacents forme un sous-graphe. Donc ici, revenons à notre figure, voyons ici quatre sommets qui sont deux à deux adjacents. L'exemple ici, c'est F, B, C, E ici. Ça constitue bien ce qu'on veut exactement. Quatre sommets qui sont deux à deux adjacents. Donc, cet ensemble constitue un sous-graphe d'ordre 4 et de plus sous-graphe complet. Donc ici, le sous-graphe de sommet F, B, C et E est complet d'ordre 4, c'est-à-dire les sommets ici, les quatre sommets sont deux à deux adjacents. Passons maintenant aux parties grand B. On va exploiter même figure et même graphe G devant nous. Il a dit comme première question, dire en justifiant que le graphe G est connexe ou non. Pour répondre à ce genre de questions, il faut connaître la signification du terme connexe. Alors, sous forme de rappel, le graphe G est dit connexe si on peut relier deux quelconques de ce sommet par une chaîne. Si on arrive à voir ça sur notre chaîne, on va dire vers la fin que sur notre graphe, pardon, on va dire que notre graphe G est connexe. En regardant notre graphe ici, est-ce qu'on peut passer d'un sommet à un autre en suivant un chemin ou une chaîne, pardon, quelconque? On a bien ce cas. Donc ici, les sommets ici de notre graphe ici, on peut les relier
par une chaîne. Ou bien sont reliés par une chaîne. Alors, on va dire vers la fin que G est connexe. On peut rendre ici, cette graphe n'est pas connexe. Il suffit d'ajouter ici, par exemple, deux autres sommets ou deux autres postes. YZ, par exemple. Maintenant, le graphe G' n'est pas connexe, car par exemple, on ne peut pas passer de B à Z. Car pour la simple raison ici, les deux sommets B et Z ne sont pas reliés. Alors la réponse, on va dire oui, G est connexe, car on peut relier deux quelconques de ces sommets par une chaîne. C'est-à-dire, pour passer d'un sommet à un autre, on pourra trouver une chaîne qui nous ramène à chaque instant ou à chaque choix de deux sommets. Pour chaque choix de deux sommets, on va trouver une chaîne qui nous ramène à notre but. La deuxième question, petite A, il a dit compléter le tableau suivant. Qu'est-ce qu'on a dans ce tableau? On a les sommets et les degrés. On a vu que notre graphe est d'ordre ici 6. On a 6 sommets et chaque sommet a son propre degré. Le degré d'une manière générale d'un sommet donné n'est autre que le nombre d'arêtes sortant ou entrant. Par exemple, ici, l'arête A, 1, 2, 3, est d'ordre 3. L'arête B est d'ordre 1, 2, 3 et 4. Ainsi de suite, l'arête D aussi, degré 1, 2, 3. C'est le nombre d'arêtes entrant ou sortant à notre sommet. Alors ici, on pourra remplir notre tableau sans aucun doute. Le sommet A de degré 3, le sommet B de degré 4, le sommet C de degré 4, le sommet D de degré 3 et ainsi de suite. On remarque qu'on a des sommets de degrés pairs et d'autres impairs. Le total ici, l'ensemble des degrés de tous les sommets de notre graphe est égal à 22. On va exploiter ce nombre après un instant, car on peut déduire le nombre d'arêtes à partir du nombre total des degrés de notre graphe en utilisant ce qu'on a vu ici l'année précédente. La somme ici des degrés du sommet ici est égale à deux fois le nombre des arêtes de notre graphe G. Ici, lorsque je vais sommer les degrés de ces six sommets, on va trouver le double d'arêtes de notre graphe G. Alors, la somme ici du sommet égale à 22. Donc, ici, le nombre des arêtes de notre graphe, ça sera ici 22 sur 2, ça sera 11. Ça, c'est le but de la question petit b. Déduire le nombre d'arêtes de notre graphe G, n, ça sera 22 sur 2 est égal à 11 arêtes. On peut vérifier ça en comptant les arêtes de notre graphe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 et 11. On a 11 arêtes. C'est la moitié de la somme des degrés du sommet de notre graphe. Passons maintenant à l'autre question. Après avoir maintenant donné le nombre d'arêtes de notre graphe G, la troisième question du parti grand B, petit a, il a dit dire en justifiant, est-ce que le graphe G admet une chaîne eulérienne ou non? Pour répondre à ce genre de questions, il ne faut pas oublier les deux théorèmes d'Euler. Le théorème numéro 1 nous donne une réponse à cette question. Qu'est-ce qu'il dit le théorème d'Euler? Il ne faut pas oublier. Le graphe G est connexe, admet une chaîne eulérienne, quand est-ce que, si et seulement si, tous les sommets sont de degrés, soit pairs ou bien uniquement de 2 degrés impairs, qui sont les deux extrémités de notre chaîne, bien évidemment. Je répète, qu'est-ce qu'il dit le théorème d'Euler? Un graphe G connexe admet une chaîne eulérienne quand est-ce si et seulement si tous les sommets sont de degrés pairs ou bien les sommets sont de degrés pairs sauf deux uniquement, sont de degrés impairs. Et dans ce cas de figure, ces deux sommets qui sont de degrés impairs sont les deux extrémités de notre chaîne, bien évidemment. Alors, si on applique ce théorème à notre graphe, revenons à notre tableau, on a vu que tous les sommets sont de degrés pairs, sauf ces deux sommets A et D sont de degrés impairs. Donc, d'après ce théorème, il ne faut pas aller très loin. On va conclure directement que notre graphe, qui est bien évidemment connexe, comme on a vu à l'instant, elle admet ici une chaîne eulérienne, car tous les sommets sont de degrés pairs, sauf uniquement deux qui sont de degrés impairs et qui sont bien évidemment les deux sommets A et D. Ce sont les deux extrémités. On va commencer lorsqu'on nous demande de donner un exemple de chaîne. On va commencer à partir du sommet D. On va arriver vers la fin, vers A, par exemple, ou vice-versa. Alors, la deuxième question, elle a dit donner un exemple de chaîne eulérienne. D'après la question petit a et à l'aide du théorème d'Euler, on est sûr qu'il existe au moins une chaîne eulérienne. Et de plus, les deux extrémités sont A et D. Je vais commencer à partir du A, du sommet A. Et je vais faire mon parcours pour passer par tous les arêtes. Bien évidemment, sans répéter l'arête deux fois. Je vais parcourir tous les arêtes sans répéter aucune arête deux fois. Alors, je vais commencer par le sommet A, ensuite B, ensuite C, ensuite D, ensuite E, ensuite F, et par la suite B, par la suite E, par la suite C, par la suite F, avant la fin étape, avant la dernière étape, ce sera A, et vers la fin, je vais A au sommet, pardon, D. Comme vous le voyez ici, on est parti à partir du sommet A et on est arrivé vers le sommet D. Comme vous le voyez ici, durant notre parcours, on peut répéter le sommet plus qu'une fois. B, B,
C, C, E aussi deux fois. Même le A, c'est deux fois. Ça ne cause pas de problème. On peut répéter le sommet plus qu'une fois. L'essentiel, les arêtes, chaque arête ne sera pas parcouru plus qu'une seule fois. Il ne faut pas parcourir les arêtes plus qu'une seule fois. Bien évidemment, il faut parcourir toutes les arêtes de notre graphe, mais une seule fois. Donc, cette chaîne est appelée chaîne eulérienne. C'est grâce au théorème d'Euler. Passons maintenant à l'autre question, la quatrième question petit a. Il a dit dire en justifiant dans le graphe G existe un cycle eulérien ou non. Le mot-clé ici, c'est le cycle eulérien. Le cycle eulérien, il s'agit bien du chaîne eulérienne fermée, ni plus ni moins. C'est-à-dire cycle eulérien, c'est-à-dire même chose que dire chaîne eulérienne fermée. Revenons à notre chaîne, sauf que lorsqu'on va commencer par le sommet A, il faut revenir vers la fin au sommet A. Il faut fermer le boucle. Ça, c'est la signification du cycle eulérien. Cycle eulérien, c'est-à-dire chaîne eulérienne fermée, ni plus ni moins. Ici, de nouveau, il faut se rappeler du deuxième théorème d'Euler qui dit tout simplement G connexe, comme vous le voyez ici, connexe est très important. Il ne faut pas oublier ça. C'est fondamental. G connexe admet un cycle eulérien, c'est-à-dire chaîne fermée, chaîne eulérienne fermée, signifie quoi, ou si seulement si, tous les sommets sont de degré pair. Maintenant, c'est-à-dire, on va écarter la deuxième condition, c'est-à-dire, il existe uniquement deux sommets de degré impair. On va écarter cette deuxième condition. Il nous reste uniquement la première condition, c'est-à-dire, tous les sommets sont de degré pair. Si on a ça, alors, notre graphe admet un cycle eulérien. Mais revenons à notre tableau ici, qui caractérise l'ensemble des degrés des sommets A, B, C, D, E et F. On a, comme j'ai dit à l'instant, deux sommets A et D sont de degré impair. Donc ici, le théorème numéro 2 n'est pas justifié. Ou n'est pas vérifié dans notre condition de notre graphe G. Donc ici, vu qu'on a deux sommets ayant comme degré un nombre impair, donc notre ici graphe G n'admet pas un cycle eulérien, c'est-à-dire on ne peut pas trouver une chaîne eulérienne fermée. Ou bien on peut dire tous les sommets de notre chaîne, de notre graphe G ne sont pas tous pairs, donc le graphe G ne présente pas ou n'admet pas un cycle eulérien, tout simplement. Petit b, on peut effacer une arête pour que le graphe G peut contenir un cycle eulérien. C'est-à-dire ici, comment peut-on corriger la situation concernant notre graphe pour pouvoir parler de l'existence d'un cycle eulérien dans notre graphe G. C'est-à-dire comment ici enlever les deux degrés qui sont impairs, qui sont liés aux deux sommets A et D. C'est-à-dire comment peut-on rendre
ces deux sommets de degrés pairs et non impairs. Tout simplement, l'arête qui relie le A et le D, on va l'effacer tout simplement. Lorsqu'on va effacer cette arête qui lie le A et le B, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Lorsqu'on va effacer cette arête, comme vous voyez ici, on va obtenir ici tous les sommets sont de degrés pairs. Ici, le degré de A égale à A2, degré de B égale à 4, degré de F égale à 4, degré de C égale à 4, degré de D égale à 2 et degré de F est égal à 4. Alors ici, lorsqu'on va effacer l'arête D, on constate que tous les sommets sont de degrés pairs. Et donc ici, d'après le théorème numéro 2 de l'air, on peut dire que notre graphe G admet un cycle eulérien ou bien une chaîne eulérienne fermée. Dire laquelle, j'ai dit avant un instant, c'est l'arête AD. Et dans ce cas, degré de A, ce sera 2 et degré de D, ce sera 2 au lieu de 3. Et donc, par la suite, tous les sommets ont des degrés pairs. Donc, d'après le théorème de l'air, comme j'ai dit à l'instant, vu que G connexe admet un cycle eulérien. La dernière question maintenant, on va parler ici du nombre chromatique. On note par gamma G le nombre chromatique du graphe G donné ici gamma G. Par définition ici, le nombre chromatique, c'est le nombre minimal ici de couleurs qu'on va exploiter pour colorier les sommets de notre graphe à condition que deux sommets adjacents n'ont pas même couleur. Je répète, le nombre chromatique ici, gamma G, c'est le nombre minimal de couleurs qu'on va utiliser ou exploiter pour pouvoir colorer les sommets de notre graphe à condition, et je répète, à condition que deux sommets adjacents n'ont pas même couleur. Ça, c'est par définition. Alors, pour donner le nombre chromatique ici, gamma G, on va exploiter ce théorème ou ce résultat vu l'année du troisième année économie. Le nombre chromatique G est encadré par P et K plus 1. K, c'est quoi? Avec K, c'est le plus grand degré de ces sommets. Ça, c'est connu. On a le plus grand degré ici de ce sommet est égal à A4. Donc ici, K égale à 4. Donc gamma G est inférieur ou égal à 5. Et le P, c'est quoi? P, c'est le plus grand désordre des sous-graphes complets. On a ici des sous-graphes complets. Le plus grand ordre de ces sous-graphes qui sont complets, on a par exemple sous-graphe complet ici d'ordre 3, ici aussi d'ordre 3, et on a l'ordre le plus élevé du sous-graphe ici complet est égal à A4. On a pu trouver un graphe complet ici d'ordre 4. Donc ici, 4, c'est le plus grand ordre ici parmi les sous-graphes qui sont complets. Donc ici, dans notre cas de figure, P est égal à 4. Et grâce à ce théorème, on a un encadrement de gamma G. Gamma G, le nombre chromatique ici, dans notre graphe, est encadré par 4 et 5. Jusqu'à maintenant, on n'a pas le nombre chromatique, on n'a que notre encadrement devant nous. Ce nombre est encadré par 4 et 5. Or, il ne faut pas oublier l'algorithme ici, vu
l'année du troisième année économie. Donc ici, le nombre chromatique, comme j'ai dit à l'instant, c'est en relation avec la coloration, le mode de colorier les sommets. Alors, on a ici à remplir ce tableau à trois lignes. Ligne numéro 1, en relation avec les sommets. Ligne numéro 2, leur degré. Et ligne numéro 3, couleur choisie. En ordre décroissant, ici, je vais placer les sommets suivant leur degré. Degré de B égale à 4, degré C est égal à 4, degré de E égale à 4, jusqu'à degré A et D égale à 3, en ordre décroissant. Maintenant, ici, si je vais ici choisir la couleur C1 pour le sommet B, ici, je vais choisir, pardon, la couleur C1 pour le sommet B. Il faut se poser la question suivante. En regardant notre graphe ici, y a-t-il d'autres sommets qui n'est pas adjacent avec notre sommet B? Le sommet en question ici, c'est D. B et D ne sont pas adjacents, donc ils ne sont pas reliés directement. Donc je peux donner même couleur au sommet D. Donc ici, je vais exploiter la couleur C1 pour le sommet D. Revenons maintenant au sommet C. J'ai coloré B et D par la même couleur. Je vais choisir couleur C2 pour le sommet ici, C. Et je vais me poser la question, y a-t-il autre sommet qui n'est pas en liaison directe avec ce sommet pour pouvoir donner la même couleur? La réponse ici, oui, il y a le sommet A. A et C ne sont pas adjacents, ne sont pas en liaison directe, donc je peux donner même couleur AA aussi. Donc, je vais donner C2 à C et C2 à A. Maintenant, je vais donner couleur C3 à E. C3 à E ici. Il me reste uniquement le F. Le F et le E sont adjacents. Donc, je suis obligé de donner autre couleur à F. Et comme ça, ici, C3 pour E et C4 pour F. En tout maintenant, combien j'ai exploité de couleurs? Quatre couleurs. Le graphe est devant vous. Donc ici, notre algorithme ici ne permet pas de dire que gamma G est égal à A4, mais il nous permet de dire que gamma G est inférieur ou égal à A4. Ça, c'est d'une manière générale. Alors, ici, on va exploiter ici ce résultat 2 étoiles. Il ne faut pas oublier ce résultat étoile. Donc, ce résultat et ce résultat, on aura un encadrement de gamma G. Gamma G ici, gamma G, pardon, est supérieur ou égal à 4. Et ici, gamma G est inférieur ou égal à 4. Donc, gamma G est encadré entre 4 et 4. Donc, forcément, gamma G est égal à A4. Et ainsi, on a bien le nombre chromatique gamma G est égal à A4. Donc, gamma G ici, c'est le nombre minimal de couleurs qu'on peut exploiter pour ici colorer ici ces sommets à condition que
deux sommets adjacents n'ont pas même couleur. Comme ça, on a terminé ce rappel ou ces rappels. Merci pour votre attention et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci bien et à bientôt et au revoir.